sommes à Mesclamora. Je vais montrer sur la carte, du coup. Mesclamora, qui va être, du coup, la ville de la troisième arène que j'affronte, juste à côté de celle de Jaramanka. C'est un champion de type normal. Donc, si vous avez des Pokémon de type combat, ça fera l'affaire. Roche aussi, ça fera l'affaire. Alors, on va voir tout de suite et on va voir quelle est son épreuve avant d'affronter le champion. Menzi va nous rejoindre. Ok. Ah, te voilà. Waouh, t'as déjà deux badges, t'avances vite. Et t'as donc choisi cette arène pour le troisième. Je pense que tu devrais y arriver sans problème, mais je vais en être certaine, alors battons-nous, ça te servira d'entraînement en plus. Donc je suppose que peu importe quelle arène vous choisissez, tant que vous êtes à la troisième, vous allez devoir affronter Menzi, du coup. Nos Pokémon sont en bon état, donc on peut y aller. Bienvenue à l'arène de Mesclamora. Comme pour tous les challengers, je vais devoir d'abord noter votre nom. Afin de pouvoir affronter notre champion Okuba, vous devrez tout d'abord réussir l'examen de l'arène. Quel est-il ? Vous vous demandez sûrement en quoi il consiste. C'est simple, pour réussir l'examen, il suffit de... commander le plat secret du menu. Quoi ? Vous devrez trouver de quel plat il s'agit grâce à des indices et les commander au trésor culinaire. Vous devrez trouver de quel plat il s'agit grâce à des indices, d'accord, et le commander au trésor culinaire, l'établissement phare de Mesclamora. Ça doit être le gros bâtiment qu'on a vu tout à l'heure. À l'heure actuelle, il y a trois autres challengers en train de passer l'examen dans la ville. Ils tiennent tous un indice différent au sujet de ce plat. Vous devrez les affronter et celui qui perd le combat devra donner son indice au vainqueur. Une fois que vous aurez réuni les indices, vous pourrez commander le plat secret du menu auprès de l'équipe du trésor culinaire. Seule la personne qui aura réussi à passer la bonne commande sera reçue à l'examen. Voici votre indice. Observez bien comment les plats, comment les habitués de l'établissement dégustent leurs plats. Pour commencer, je vous conseille d'essayer de leur parler. Comment les habitués dégustent leurs plats. D'accord. Donc il doit y avoir une manière particulière de manger ce plat. Genre si c'est des nouilles avec des baguettes ou quelque chose comme ça. Dans un bol ou je ne sais quoi. Ok. Donc faut que je les trouve du coup dehors, c'est ça. Ah, bah toi t'en es une. Faut absolument que je commande le plat secret. Ok. Donc la première challenge est vraiment très juste à côté de la reine. Ça règne Pokémon de type normal, donc balayage et ça. Enfin, ça c'est. Ouais. La pénombre entourée d'escaliers. Quoi ? C'est quoi cet indice ? La pénombre entourée d'escaliers. Il y a un endroit comme ça dans cette ville. Ben, je vais les noter, hein. C'est pas possible, je vais les noter. Hein. La pénombre entourée d'escaliers. La pénombre entourée d'escaliers. Ben, c'était la reine qu'on a vue tout à l'heure. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ça, la pénombre entourée d'escaliers. C'est par là qu'il faudra aller, je pense. C'est bien, techniquement, c'est des escaliers aussi.
Ok, il faut qu'on nous trouve du coup le deuxième. Deuxième challenger. Où est-ce qu'il est? C'est toi? Ah, c'est toi. Donc il est juste derrière la reine. Ok. Non, je donne pas mes indices gratuitement à des morpions. Grigou, c'est l'évolution, c'est celui qu'on voit derrière. On va continuer pour le moment, ça va. Au pire, on changera de Pokémon, c'est pas très grave. Ah, la plaquage, ça va faire mal. Ouais. Ah mais oui mince, je suis bête, c'est un Pokémon de type normal. Alors, comme quoi, hein, il faut être de type. Ouch. Oh, allez, Chouquette. Tu as mis ma Chouquette KO. Mais je rêve. Si j'envoie Flipper, il va pas me vire. Donc on va rester avec... Quoique peut-être, le badge est peut-être assez extensif pour aller jusque là. Waouh! On va essayer. On va voir tout de suite s'il obéit ou pas. Hein. Non, il n'écoute pas. J'adore. Allez, lance-moi une attaque, mec. Voilà. Problème d'avoir un Pokémon de type 3 LE, de niveau 3 LE. Allez. Quel est ton indice? L'intrus au stand de glace. Ok. L'intrus au stand de glace. Ok. Ça m'énerve d'avoir perdu, alors je vais devoir me consoler en mangeant des glaces. Là, il y a les stands de glace. Ils sont juste là. Ah non, ça fait rien. On va aller vite soigner son Pokémon. Ah. Ah. C'est le dernier, donc je pense. Ah.
un peu mal. Hein. Nous disions donc son indice, au lieu que tu claps des mains comme si tu faisais du flamenco. Le cri du Pokémon oiseau bleu. Le cri du Pokémon oiseau bleu. What the fuck? J'étais trop concentrée à essayer de comprendre ce que ça signifie, c'est pour ça que j'ai perdu. Donc là, j'ai tout le monde. Il m'a dit il y a trois autres personnes. Alors cette fois, on va retourner voir le gars. Ça, c'est un oiseau bleu. Alors, ce monsieur nous dit apporter du citron, apporte un petit goût frais, délicieux à n'importe quel plat. Donc ce serait l'ingrédient, ce serait du citron. Ce serait du citron. On va noter ça. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ajouter un filet de citron. Ok. Boulette de riz grillé. Accompagnée d'une sauce à base de soja à l'air alléchante. Alors, eux, ils parlent de boulette de riz grillé. Ok. Donc ça, ce serait l'indice qu'il y a avec le stand de glace. Ok. Donc ça, c'était l'intrus. Ensuite, l'autre, c'était la pénombre entourée d'escalier. Pénombre entourée d'escalier, c'est ça. Est-ce que... Il y a des cochonnets? La pénombre entourée d'escalier. Toi? Non, c'est ton maître en fait à qui je voulais parler. Il y a bien longtemps de cela, l'espace situé en bas des escaliers était une scène où l'on jouait des pièces de théâtre ou donnait des concerts. Ouais, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sera en rapport avec les pièces de théâtre, peut-être. Et le cri du Pokémon oiseau bleu. Du Pokémon oiseau bleu, c'est lui. Je sais parler, c'est parler. Ah, faut que j'attende peut-être. Peut faire, ok. Pour deux. Ah, elle est là l'info. Bande de saligo. Donc du coup, on aurait la pénombre dans les escaliers, ce serait un truc théâtral. Donc je sais pas quoi. Comment ils mangent leurs plats avec du citron. L'intrus du stand de glace, c'est les boulettes de riz grillées. Et le cri du Pokémon oiseau bleu, c'est pour dire que c'est pour deux. Ok. On va retourner au restaurant. On va voir. Les boulettes. 2. Très cuit. Citron. Ah! Donc c'était ça.
Mais d'où ça me dit que c'était très très cuit? J'ai pas... Vous avez écrasé les customers ou... Comment ça se passe? Ok. Wow. Donc c'était ça. Donc c'est... On va récapituler. Donc ce serait le plat secret. C'est des boulettes de riz grillées pour deux. Très cuit façon déflagration avec du citron en accompagnement. Nos premières tentatives étaient infructueuses, donc on va espérer que celle-ci soit la bonne. Ok. Déjà, ça, c'est fait. Est-ce qu'on lui apprend souplesse? Non. Du coup, Chouquette s'est endormie. On va essayer de pas changer et de continuer. Sac. On va réveiller le bestiau. Ah. Là, il va me le paralyser. C'est quoi, on va faire hurlement et on va essayer de faire venir le tractor si on arrive. Voilà. Je change de tactique. Et là, je prends mon braqueur. Vu que c'est pas son dernier Pokémon, il va peut-être pas le Terra Crystal. Ah non, il va le Terra Crystal. Ok. Je pensais, mais visiblement ça doit être automatique. Quand tu es sûr avec... quand c'est le dernier Pokémon, je pense qu'il le Terra Crystal automatiquement. Qu'il soit traîné de force ou non au combat. Allez.
me la wash. Ah, Z. On va voir si j'aurai le temps de Terra Crystal. Et ensuite, on va faire le pied. Il arrive à tenir le coup. Ouais, tiens le coup et ce sera bon. Nice. Ok, Autoraptor c'est bon. Le pire c'est un solo de. Au moment on va continuer. Va faire cruel. Là, je pense qu'il va me mettre KO. Ouais. C'est ce que je craignais. Normalement, j'ai réussi à l'endormir. Yes, déjà, ce sera bien. Quelle est la plus puissante des attaques que j'ai? C'est Canon Drain. Ah, on prend Canon Drain. Là, ce sera vraiment de la puissance d'attaque. On y est presque. Yes, il dort toujours. C'est bon. On va y arriver. Voilà. Chez. L'écosphère, carrément. L'écosphère est très puissante. Ah, je vais mettre la base de canon grain, hein. Allez. Ce petit mouvement des bras qu'a fait mon héroïne là. Tu m'as fait goûter à la défaite. Ouais, ça a été difficile mais on a réussi. Oh, en plus de ça, Scarlett évolue. Waouh. À quoi ressembles-tu? Oh, Scarlett évolue en Miascarade. Stylé. Plan de ténèbres, donc. Il détourne habilement l'attention de ses ennemis et disperse
subrepticement des bombes florales bourrées de pollen qu'il fait ensuite exploser. Super. Bah super. Magie florale. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette attaque? 70 de puissance, donc c'est moins puissant qu'Écosphère. Le lanceur attaque en jetant un bouquet de fleurs piégé. Ah, c'est son attaque signature, c'est ça. Sur la cible, n'échoue jamais et inflige toujours un coup critique. Ah ah, c'est intéressant. C'est son attaque signature, sans doute. Ça doit être son attaque unique. Bouquet de fleurs piégé. J'adore l'idée. À ce moment-là... Ah, j'hésite. J'hésite. On va enlever tranche et on va mettre ça à la place. Et si au cas où ça va pas, on pourra toujours modifier en fait. Nice. Tu as fait montre d'une force peu commune, j'en suis pas en toi. Puisque j'ai perdu, je dois te remettre ce badge. Ce combat m'a donné faim. Il est sûrement l'heure de la pause déjeuner. Que dirais-tu de manger ensemble? Mais avec plaisir, maintenant que je t'ai marre. C'est sympa. À chaque fois, ça fait des miniatures très sympas. Allez. Il te sera donc plus facile d'attraper les Pokémon jusqu'au niveau 35 et t'obéir. Façade. Ce qu'on nous apprend au travail. Capacité dans la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. Sur ce, je dois retourner travailler, si vous pouvez m'excuser. En plus de ça, il m'a invité à bouffer, si c'est pas sympa ça. Et ben voilà, enfin le badge de type normal U. C'était difficile, mais on l'a eu.